à tous, c'est Tetsuya et aujourd'hui on se retrouve pour Fire Emblem Révélation. Et oui, on est dans Révélation. Quel soutien j'ai débloqué. Ah bah chouette, je vais pouvoir les soutenir au fond. Yana et Tsubaki, ok d'accord. C'est pas très important. Donc on est bien dans Révélation. Alors je suis vraiment désolée, je comptais aussi faire une facecam de cet épisode. Mais le problème, c'est que voilà, ça ne marche pas, ça bug, j'y arrive pas. Pourtant, rien n'est allumé chez moi, il y a juste l'ordinateur et pourtant, ça ne veut pas. Bon, du coup, on va aller visiter un petit peu ce qu'il y a par-ci, par-là. C'est Oshido qui a les dagues, il me semble. Et héritage, les conquêtes... Non, non, c'est Nord, en fait, c'est Nord qui a les dagues, en fait. Katana cuivre. J'en ai déjà un ou pas de katana cuivre? C'est le plus petit katana, ça, de toute façon. Je veux du chou, chou, chou. Du corail, de l'onyx. Et qu'est-ce que tu as? Une houe. Qui ne sert strictement à rien. Je veux plutôt la jeter. J'espère que Lilith ne mourra pas dans héritage. Enfin, dans révélation. Oh, petit Lilith d'amour. Enfin, non, non, je rigole, hein, mais... Lilith, je l'aime bien, c'est un petit dragon. Tout mignon, tout chou. Ouh, bah exactement, t'es très très mignon, tout chou. Prochaine fois, je la complimenterai encore et elle me fera plein de trucs. C'est ça que la prochaine fois, elle me fait rien du tout. Quartier privé. Alors, invité... Azura, on a le truc à fond. Bon, on va mettre Rinka, en fait. Rinka. What is it? Ah, t'as des accès de colère. Regardez, elle est plutôt mignonne quand même, Rinka. Glad I met someone like you. Non, c'est pas vrai, je regardais pas là. Allez, on s'en va, Tetsu. Au boulot, on doit aller tuer des gens. Oups. Donc je me suis juste un tout petit peu entraînée, sachant que les chapitres dans Révélation sont un petit peu plus durs. Donc elle a pas monté de niveau, Azura a monté d'un niveau en faisant juste chant. Jacob, je crois qu'il a monté un niveau en soignant. Tsubaki, non, il me semble pas. Anna, un niveau il me semble. Sakura, un niveau en soignant. Kaze, deux niveaux. Rinka, un niveau ou pas de niveau. Yayato, pas de niveau, et Gunter, je ne l'utilise pas, du coup, pas de niveau non plus. Ah, je peux construire des autres... Waouh, je peux construire plein de trucs. On va améliorer. On va pas améliorer. Combat suivant. On est toujours au tribu du vent. La voix d'un dieu. Ah non, Izumo, c'est après la tribu du vent. Voici donc le palais d'Izumo. Il y a une présence apaisante ici. Oui, Izumo a longtemps été surnommé le royaume des dieux. Seul un lieu où règne la plus profonde quiétude peut porter un tel nom. Izumo a su rester neutre malgré les conflits menés par d'autres royaumes. Je suis bien content d'être arrivé ici sans encombre. Allons voir l'archiduc. Je suis l'archiduc Izana, descendant et hérité des dieux, gardien des prophéties, et quintuple vainqueur du concours de la plus belle toison capillaire d'Izumo. Sextuple peut-être, je sais plus, bref. Heureux de faire votre connaissance. Votre périple a dû vous en faire baver. L'heure est à la détente. Vous verrez, Izumo est un endroit sublime, vous pourriez bien y rester pour toujours. Eh bien, merci pour cet accueil des plus chaleureux. Tout le plaisir est pour moi, les cocos. C'est pas tous les jours que j'ai de la visite. En fait, c'est tellement inhabituel que j'en viens me demander si je suis bien moi. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il nous parle comme ça? Vous laissez vraiment n'importe qui accéder au pouvoir par chez vous? Non. C'est assez inhabituel, en effet. Pardonnez-moi, Votre Altesse, mais nous avons quelques questions à vous poser. What? Ah oui, sur quoi? Posez donc tes questions, Chouquette. Ah, Chouquette. Et si tu as quelques petits ragots croustillants à partager, je suis tout ouïe. Nous nous demandions si vous aviez des informations au sujet du Sceau du Feu. Hein? Le Sceau du Feu? Quelle barbe! Je voulais parler des sujets intéressants, moi.
Et puis ce genre d'idiot aussi, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Je vois, moi qui pensais qu'on touchait enfin au but. Et fais passer le chien battu enfin, il y a un bon festin qui vous attend là-bas. Vous devriez tous manger, boire et passer du bon temps, pendant que vous le pouvez. Attendez, êtes-vous bien sûr de ne rien savoir au sujet du saut du feu? C'est le sort du monde tout entier qui est en jeu. Oh, je t'ai dit que je n'en savais rien. Imposteur. Bien sûr que vous ne savez rien, sale imposteur. Plaît-il, je vous prépare une bonne bouffe et tu me traites d'imposteur. Ne joue pas à ça avec moi, il est évident que tout ceci n'est qu'une illusion magique. Révélez-vous, fourbe. Oh, Gunter, quel rabat-joie vous faites. C'est encore Zola. Je vous ai manqué, pas vrai? Zola. Qui d'autre pouvait se cacher derrière une telle supercherie? Qui est-ce, Gunter? Une ordure de mage norien, adepte des illusions et autres perfidies. Où est le véritable archiduc? J'ai bien peur qu'il ne soit à l'ombre, en tôle, en cellule, au frais quoi. Ah, au frais, il est juste temps d'utiliser la bombe Algis du roi Garon. Le moyen rêvé pour briser la glace. Ouais, super. Que tout le monde se tienne prêt. Je crois que je vais faire des groupes de deux, comme ça sera plus facile. Ah, on peut partir qu'à 6. Jacob ou Sakura? Y'a pas un autre soignant? Depuis quand tu soignes, toi, hein? Rends-moi ça. Alors, Anna, Tsubaki, Azura, peut-être pas, non? Kaze et Rinka. Voir la carte, alors. Non, on va pas les mettre en duo en fait. Eux deux, ils sont assez forts. Incroyable, le village tout entier est prisonnier d'une épaisse couche de glace. Il va falloir se frayer un chemin. Les ennemis sont sûrement tapis derrière les blocs de glace. Attention. Ah, faut que j'aille tout là-bas en fait. Il faut que je prendre. Ouais, je prendre. C'est... Faut que j'aille là en fait. Oh, j'aurais quand même dû prendre Azur en fait. Non, pas toi. Une hache de fer. Très bien. Eh ben, tu vas me gagner cette hache de fer. Ah, mais le soignant, il est en duo avec. Ouais, c'est vrai. Allez, on va mettre ça ici et... Mais en fait, je peux pas laisser lui parce que si c'est des archers qu'il y a derrière, je suis mal barré au prochain tour. Let's get started. Ah, mais il y en avait un juste à côté en fait. Non, pourquoi tu me fais ça? Je t'adore, Anna. Tu évites toutes les attaques. J'avais pas vu le cavalier qui était caché à côté là. Espèce de fourbe. Non, toi, tu tues le cavalier. I'm impressed. Très bien. Ouais, cure, ça te va. Voilà, on est plus fort maintenant. Une arme plus forte. Allez, vite, rapidement. Donc, ouais, briser. C'est une maison là, on peut pas traverser.
Ah, oh, mais il y en avait un là. Il était caché là. Alors, je vais voir si la patte de fer fait plus de dégâts. Enfin, si elle peut déjà l'utiliser, quoi. Ah, il a préféré se soigner. Et un niveau pour Jacob, qui gagne beaucoup de niveaux. Hein. Antitome. Juste un peu en plus, ça. That was a good fight. Niveau 10. Alors, Anna, Suaki et Rinka qu'il faut amener au niveau 10. Toujours rien. Ça a l'air d'être aussi une maison là. Ah, enfin une nuit. Oh, cours. N'importe quoi pour gagner des niveaux. 15. C'est quoi cette attaque de malade? Ah ouais, là, on va changer de personnage. Non, c'est permuté que je voulais mettre. C'est pas grave. Let's do this. Perfect time. Tsubaki, un point. Un point, Tsubaki. Ah. Non, tout un Naginata, t'auras pas de lance. Chouette, un autre ennemi. Potion, potion, cure, potion qu'il a lui. Il me semblait pas le poids. Ah, il faut commencer à monter là, ouais. Juste passer par là. Ah, il est... Toi. Non, on va pas tout de suite. Qu'est-ce que ça fait comme attaque? Ouh, pas mal, j'adore l'attaque. On pourra le donner à Hayato. Faire comme ça. Non, on va pas risquer. Allez, hop, on fait comme ça. Ok, d'accord, c'était sûr. Allow me to join. You must go. Oh, un point, quoi. Phew.
2x2, c'est déjà ça. On va voir comment ça va se passer. Génial, il ne reste plus qu'un point de vie. Attaque à distance. Ouais, mais ça me semblait qu'ils allaient faire. Hein. Oui. Ah, Anna aura peut-être moins de chance. Si. On passe à l'attaque des méchants. Donc Anna est moins forte. Alors je verrai plus la... elle qui va tuer celui-là. Qu'elle monte un petit niveau et qu'elle ne reste pas toute faiblarde. C'est quoi le soleil qu'elle a en fait, elle? Ah d'accord. J'ai jamais remarqué. C'est bête, hein. Un niveau pour Rinka qui passe au niveau 10, qui commence à être assez OP. Bousculé. Bien joué. Je me ferai une joie de te dégommer, je vois. Peut-être plus caser en duo pour plus d'avoir d'évitation. Yato, à toi l'honneur. Wahaha, vous n'avez aucune chance contre moi. Pas besoin du coup de critique pour te battre, mais je te le donne quand même, tu vois. Comment est-ce possible? Vos faiblesses n'étaient-elles qu'illusions? Comment est-ce possible? Ah, faut que je prenne. Jacob au même niveau que Tetsuya, hein. Enfin que Tetsu. Vous avez gagné. Nous avons gagné. Oui, non, t'as pas gagné. Nous avons gagné, vous n'avez nulle part où aller, Zola. Dites-nous où se trouve l'archiduc. Hé, vous pensez vraiment que ce serait si facile? Vous êtes si naïf, ma jeune amie, j'ai toujours un plan de secours. Qu'est-ce que vous... Oh, regardez un peu cet adorable frimousse, l'otage rêvé. Tetsu! Sakura! Lâche-la immédiatement, Zola! Vous n'avez donc aucun sens de l'honneur. Pff, le sens de l'honneur ne vous fera pas faire de vieux os. Après tout, ce sont les survivants qui écrivent l'histoire. À présent, lâchez vos armes. Lâchez tous vos armes, sinon... Mon petit lion d'amour! Cette puissance serait-ce... Zola, misérable cloporte, c'est l'honneur de Nord que vous avez bafoué en vous abritant derrière un otage. Je le savais, je savais que c'était toi, Léo. Tu as sauvé Sakura, merci. Léo, es-tu venu nous rejoindre? Ton aide nous serait précieuse. Je n'ai aucune intention de combattre Nord, j'ai appris de terribles nouvelles. De quoi est-ce que tu parles? Après que j'ai refusé d'aider Oshido et Nord, j'ai appris que... Le roi Garon n'est plus lui-même. Il est manipulé par quelqu'un, quelque chose. Comment peux-tu le savoir? Écoute-moi, il ne souhaitait pas cette guerre entre Oshido et Nord. Il est l'esclave de la volonté de notre véritable ennemi. Un ennemi invisible que nous devons pourchasser et vaincre. Je vois, dans ce cas, dis-moi qui est le traître. Donne-moi son nom. Désolé Léo, je ne peux pas. Ça ne me surprend pas. Écoutez tes affabulations est une perte de temps. Léo, non, attends, je t'en prie, je ne peux rien te dire pour l'instant, mais... Tu n'es qu'une traîtresse, garde donc tes excuses, je n'en ai cure. Tu ne me crois pas? Ne comprends-tu pas ce que j'essaye de faire? Je vais être très clair, tu n'es plus ma sœur. Je ne suis venue ici que pour en finir avec ce pitoyable mage. Mais nous n'en avons pas fini, toi et moi. Nous réglerons tout ça une autre fois.
dessus. Ne t'inquiète pas, Azura, ce n'est pas moi qui le visais. Cette porte aurait besoin d'être réparée en revanche. Va donc, têtu, le véritable archiduc est sûrement à l'intérieur. Accompagné d'un misérable prince auxilien, Takumi. Quoi, tu veux dire que... Attends, Léo! Big sister! Têtu, la salle d'apparat est remplie de gens, tous pieds et poings liés. C'est une plaisanterie? Vous voilà enfin! Merci, merci, j'ai bien cru que j'étais fait comme un rat. Purée, j'ai une de ces fringales! Ça fait des heures que ça gargouille là-dedans. Oh. Êtes-vous réellement l'archiduc d'Izumo? Yeah. Et comment? Je suis l'archiduc Izana, descendant et héritier des dieux. Gardien, désolé de vous couper, Votre Altesse, mais nous avons déjà entendu tout ça. Même le coup de la toison capillaire? Yes. Oui. Mais il y a encore pire que l'imposteur! Oh. Ah, la jolie princesse Sakura! Je crois bien que ton frère est quelque part dans le coin. Il a partagé ses quelques heures sombres avec moi, lui aussi. Il doit crever de faim. Takumi est-il vraiment ici? Takumi, oh, je suis si contente de vous savoir sain et sauf. Sakura? Et Tetsu et Azura, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, j'ai décidé de me joindre à eux. Quoi? Non, pas toi, Sakura. Comment peux-tu tourner le dos à Ushido? Ryoma ne s'en remettra jamais. Je ne tourne le dos à personne, et Tetsu non plus. En fait, personne ici n'a l'intention d'attaquer Ushido. D'après Tetsu, quelque chose de pire que l'invasion norienne se profile. Elle ne peut pas encore l'expliquer, mais je la crois. Takumi, fais-lui confiance. Takumi. Tu m'excuseras, mais je ne peux pas croire à ces balivernes. Sakura te fait peut-être confiance, mais ce n'est pas mon cas. Très bien. Ah, non, 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 pas question de laisser passer ça. Takumi, mon prince, tu n'as rien compris. De quoi parlez-vous? Oh, je ne vais pas m'encombrer de détails inutiles, je dirais juste, rejoins Tetsu. C'est là la volonté des dieux, ils me l'ont dit, oui, ils ont fait ça, ils font ça parfois. What? Ah, la volonté des dieux? Désolé, mais je ne vois pas que les dieux auraient à gagner dans cette histoire. Eh, qui est le gardien des prophéties ici? Je n'y peux rien s'ils aiment me parler. Mais pourquoi ignorer les conseils divins qu'ils t'ont prodigués? Vous avez beau dire, je ne peux pas m'allier à quelqu'un qui a trahi sa patrie. Je lui suis bien sûr reconnaissant, mais je ne fais pas confiance à Tetsu. Ben dis donc, tu as la tête plus dure que le marbre, mon garçon. Bon, en général, je préférerais la jouer en douceur, mais là... Si c'est une grosse prophétie qu'il te faut, tu vas la voir, mon petit prince. Petit prince. C'est parti. Ce qui n'est pas vu reste à voir, la vérité est maquillée de phare. L'omniscient à la surface de l'onde est la véritable menace qui gronde. Pio, et voilà le travail, on dirait que les dieux t'ont à la bonne, mon prince. Bon, tu vois bien que la princesse Tetsu n'est pas ton ennemi. Alors qui est mon ennemi? Qu'est-ce que Sakura disait il y a une minute? Tetsu ne peut pas l'expliquer, elle sait donc quelque chose. Oui, l'heure n'est pas aux révélations, mais c'est ce que dit l'archiduc est vrai. Nous sommes ici pour trouver le moyen de vaincre cet ennemi. Ah, c'est vrai, oui, tu allais me poser des questions sur le sceau du feu. Désolée, mais je ne sais rien du tout à ce sujet. Comment pouvez-vous savoir que j'allais vous demander ça? Une vision, une prophétie. Tu ne m'écoutes donc pas quand je parle? Même si je ne peux pas t'aider à trouver le sceau du feu, ce proverbe familial pourrait peut-être s'avérer utile. Celle qui rejette l'ombre et la lumière se verra offrir un autre chemin. Voilà, je n'ai pas mieux. Bon, oui, d'accord, mais ça, on le sait déjà. Hein. Que signifie ce proverbe? Tetsu est-elle celle qui rejette l'ombre et la lumière? Je crois bien que oui, je dois donc lui offrir un autre chemin. Excusez-moi une seconde, je vais demander quelques conseils à une ancienne divinité. Quoi, tout de suite? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, faut qu'on se bouge. Carpe, machin chose. Bref, il va falloir organiser une cérémonie pour ça et j'aimerais en finir au plus vite. Croyez-moi, les anciens d'eux ne sont pas franchement réputés pour leur beauté. J'espère qu'il reviendra vite et qu'il aura des réponses à nous donner. Je suis sûre que ça va marcher, faisons-lui confiance et attendons. Désolée de vous avoir fait attendre. Votre Altesse, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air épuisée. J'ai eu une conversation avec l'ancienne divinité, mais je n'ai pas compris ses mots. Elle n'a pas dit grand-chose. Avance à la rencontre du dragon. Du dragon? Je suis sûre que tu finiras par comprendre. J'espère vraiment que tu y arriveras. Sinon, j'aurais donné ma vie pour rien. Quoi? Quoi?
Quoi? Donner votre vie? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La cérémonie que j'ai organisée requiert un sacrifice. Tout message a un prix. Le prix de celui-ci était ma vie. Ce serait quand même chouette qu'un barde en fasse une chanson un jour. Oh Takumi, mon prince, je sais que je me répète, mais fais en sorte d'aider Tetsu dans sa requête, d'accord? Mais je... Quoi? Tu es toujours indécis? Je suis en train de mourir et tu discutes? Écoute-moi, mon gars, si tu ne le fais pas, je reviendrai te hanter. Toute ta vie! Archiduc! J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors au voyure, les cocos. Pourquoi n'a-t-il pas dit que cette cérémonie lui coûterait la vie? Pourquoi? Il a donné sa vie pour le bien de tous. Son sacrifice héroïque sera célébré comme tel. Je suis tellement désolée, tout ceci est de ma faute. Si je n'avais pas choisi cette voie, l'archiduc serait encore parmi nous. Je croyais que mon choix était le bon. Je n'ai pas tenu compte des conséquences. Tu dois continuer à le croire. Ne gâche pas son sacrifice. Takumi. Ne dis rien, je vais t'aider à accomplir cette mission. Je combattrai à tes côtés, conformément aux dernières volontés de l'archiduc. Ton destin sera le mien, ma sœur. Merci, Takumi, je ne te décevrai pas. Bon bah, si son Altesse Takumi vous rejoint, il va falloir qu'on suive, nous aussi. Oui, plutôt mourir qu'abandonner Messire Takumi. Et vous êtes? Inata, je suis au service de Messire Takumi. Je n'ai pas mon pareil katana à la main, vous serez satisfaite de mes services. Je m'appelle Oboro, je suis moi aussi au service de son Altesse. Je préfère ne pas avoir à faire affaire avec des noriens. Oui, affaire, oui, c'est chiant. Mais si nous devons nous allier, alors je ferai de mon mieux pour coopérer. Au nom de Messire Takumi. Yeah. Très bien, nous serons heureux de vous compter parmi nous. Nous voilà renforcés de 3 nouveaux et valeureux alliés. Nous pouvons remercier Izana, c'est à lui que nous le devons. Izana, jamais je n'oublierai votre sacrifice. Jamais. On va peut-être faire une loterie de Nord maintenant. Même si Inata c'est un personnage de Oshino, c'est peut-être un signe. Émeraude, ça me va, je crois que j'ai pas émeraude dans Révélation. Exactement. Non, vous ne vous allierez pas. Point barre, point final, point d'interrogation. Tiens, une petite pêche. Bon, elle a quand même gagné un point de magie. C'est pas le pire. Ouais, Takumi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me raconter tes petits secrets ou quoi? Je sais pas pourquoi je préfère Léo à Takumi. J'aime pas trop Takumi. Mais j'aime beaucoup son petit garçon. C'est peut-être qu'il a les cheveux trop longs. Mais il a son style. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Révélation. Bon, il n'a pas été trop difficile. Il y avait beaucoup de blabla surtout. Hein. On a monté de pas trop de niveau, mais... Ah, attendez, on va peut-être poser... Non, pas combat suivant. Structure améliorée, la statue de Tetsuya. Ah, on peut encore améliorer une fois. Voilà. Du coup, sur ce, on se quitte sur ce petite statuette montée au niveau 2. Du coup, je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode.